Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons chasser des Pokémon. Enfin, chasser des Pokémon. Nous allons chasser des Shiny. Donc aujourd'hui, ça va être un peu la rage. Voilà, bon, encore ça va, on n'est pas sur Let's Go Pikachu parce que je suis un gros rageux. Nous sommes sur Pokémon Bouclier, dont le DLC sort la semaine prochaine déjà. Déjà. Donc nous allons en parler du DLC 2. Parce que c'est important pour moi de parler de ceci, clairement. Pour moi, c'est très important. Parce que le DLC 2, il a l'air d'avoir tellement de contenu. Ça a l'air très intéressant. Voilà, donc on va voir qu'ils vont proposer Nintendo, enfin Game Freak, on va voir. Donc déjà, on va changer cet endroit parce que ça fait déjà deux streams où je suis toujours au même endroit. C'est un enfer. On se casse là. J'ai envie d'aller là-bas, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Nous allons du coup activer la connexion Internet. Connexion en cours. Voilà. Ça devrait être bon, voilà. Donc on est parti, nous allons chasser des shiny, ça me manque quand même Pokémon, tout de même. Alors, Arcanin, je l'aurai jamais, je le rentrerai jamais. Donc voilà, il suffit de spammer la touche X pour que ça reset. Et là, Givrali, il peut être shiny, mais bon, il y a un mot de passe. Là, il y a pas mal de choses, vous voyez, Noctuar. Allez, on spamme pour avoir Noctuar, et vu que je les dois complètement geler, c'est une galère. Noctuar, rentre. Voilà. On va mettre un type ténèbres. On va mettre Angolia Shiny. Let's go, le réglage de qualité. Est-ce que tu peux régler la qualité maintenant? C'est ça ma question. Parce que normalement tu peux. Parce que regarde, je vais faire même là. Je peux régler la qualité là. Oui, de 720p maximum. Pour ça, avant c'était 1080, mais vu que ça buguait des fois, ben j'ai baissé. Pour ça, on peut pas, on rencontre pas de lag. En tout cas sur Pokémon Bouclier. Hein. Voilà. Donc, on va chasser des shiny. Donc il suffit de rejoindre des raids dorés. Et Noctuar, il peut être shiny. Franchement, Noctuar, s'il est shiny, ce serait vraiment le. Ah, ce serait vraiment la classe. Hein. Il n'y a pas à chier, par contre. J'espère que le son que je mets au fond est correct. En tout cas, je suis vraiment hype par rapport à Pokémon Vendredi. C'est vendredi, hein, la sortie du DLC 2. Vérifions ça. Ah, il va lancer. Attendez. Le DLC 2, il sort quand de Pokéfion? Il sort déjà vendredi, hein. Je dis pas de conneries. Est-ce que Noctuar arrive à être shiny? Bon, on va voir. Je pense pas au premier coup. Non, pas de shiny. Et le son de la télé, pardon. Oh! Calme-toi la télé. Mon dieu. Voilà. Et mon Angolia shiny. Attendez, mais il faut retrouver la date du. C'est vendredi prochain. Pokémon DLC, hop. Pas que des extensions. Mais il sort quand déjà? Faisons coup bas sur Noctuar. Troc, quel site incroyable. 23 octobre. C'est pas dans 2 semaines, c'est vendredi. Ah ouais, c'est dans 2 semaines. Mais non, c'est la semaine pro. Attends. Ah, c'est dans 2 semaines. D'accord. J'avais l'impression que c'était déjà vendredi pro. La semaine pro, c'est Smash. D'accord. Ok. Ok. Donc on a Steve dès mercredi. Semaine d'après, on enchaîne avec Pokémon. Et après, on enchaîne avec Pikmin. Oh, c'est quand même. Personne s'y attendait, hein.
Franchement, je suis tellement hype pour le DLC 2 de Pokémon, ça a l'air tellement fat. Franchement, quand tu vois que tu peux capturer tous les légendaires, ça va être un. Ah, il m'a fait entrave, super. Franchement, mais tous les légendaires, mais c'est du jamais vu. Alors, moi j'ai peur que le problème, ça va tuer le. Bah, le fait d'avoir tous les légendaires. Un peu dommage. Choper tous les légendaires, bon, ok, mais. Moi je pensais qu'ils allaient mettre des légendaires exclusifs à épée et bouclier. Mais non, c'est vraiment tout! C'est abusé! Oui, mais tu vois, dans Ruby Omega Sapphire Alpha, tu avais des exclus. Par exemple, je sais pas, Jalga, c'était dans Saphir, je crois, et pas le cas dans Ruby. Alors que là, tu as tout. Et quand ils disent légendaire, c'est vraiment Celebi, Jirachi, tout, je crois. Hein, c'est, je dis pas de bêtises. Ultra Soleil, Ultra Nul, je crois pas. Ultra Sun, Ultra Nul. T'avais aussi des exclus, je crois, de légendaire. Tricherie, hop. Forcément, il met son bouclier à la con. Donc ça veut dire que déjà, tu peux au moins mettre, il y a au moins 30 Pokémon légendaires, voire plus, dans le Pokédex. Et donc, ils vont t'ajouter plus de 70 nouveaux Pokémon à capturer, peut-être. Donc on va être à combien de Pokémon dans le Pokédex? Ça va être hallucinant. Ça va être hallucinant. Pourquoi mettre autant de Pokémon, sachant que le prochain devrait sortir l'année prochaine? C'est quand même très suspect, ça, quand même. Hein. Ça m'inquiète quand même. Ça veut dire quoi l'année prochaine? On aura un Let's Go de Johto? Parce que ça veut dire que Let's Go de Johto, on pourra mettre que les Pokémon de. Bah, de Johto dedans. On pourra pas en mettre d'autres. Moi, j'ai peur que ça soit ça. Enfin, mais le remake 4G, j'ai l'impression que. Ben, ouais, on le veut tous, mais j'ai l'impression que c'est mort. Avec tous les Pokémon de la 4G qu'ils mettent, là. Moi, j'ai cru que ça va être un Johto Let's Go l'année prochaine. Putain. Ce serait un enfer quand même. Hein. Ah, il le tue pas, putain, le bordel. Mais ce serait cohérent de mettre Remake 4G parce que c'est quand même les 15 ans de Pokémon Diamant et Perle l'année prochaine. Franchement, tu peux pas te passer à côté de ça, sinon ils vont attendre les 20 ans. C'est pas possible. 20 ans, le jeu il fait vieux là, hein, quand même, 20 ans. Hein. Ah, les 15 ans, ce serait bon moment pour moi de l'annoncer. Alors, comment il va être le jeu, j'en ai. J'arrive pas à réaliser comment il peut être le jeu. Moi, j'attends juste qu'il rase le Mont Couronné et qu'il mette l'étard sauvage. Allez, Sable Roux, on tente. Je suis rentré. Tout va bien. C'est quoi comme musique ça? J'aime beaucoup. Xenoblade ça? Bah oui, c'est Xenoblade. J'avais même pas posé la question. Ah oui, c'est le Xenoblade 1. C'est quoi le titre? Alkamoth, Imperial Capital Knight. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne Ghost of the Blade quand même. Hein. Ouais, que j'y rejoue. Suis rendu au chapitre 13. Hein. Quand même. Apparemment, il y a quand même 18 chapitres. C'est quand même pas mal. Hein. Il est pas shiny, hein. Non, non. Oh, il est shiny! Putain, il est shiny! Oh putain! Oh putain!
Il shiny? Mais what the fuck? Il est comme ça shiny, je pensais qu'il était vert. Putain, au bout de combien de temps? 10 minutes. Et les gens, ils se font chier avec la méthode Masuda. Ah, vous nous faites chier avec les œufs. Faites comme moi. Rejoignez des raids. Vous avez des shiny. Et bah voilà! Putain, elle est où ma Pokéball? Merde, elle est l'autre côté. Bon, bah tant pis, on fera ça. Ah, bah voilà! Un Sablerot shiny, putain! Putain, j'ai chassé pendant 10 heures un Sablerot shiny dans Let's Go. Il me donne un Sablerot shiny! Non! Oh putain! Quel bonheur! Ah là là, qu'est-ce qu'il est. Il change pas du tout, hein, de. Regarde! On dirait qu'il est normal! Ah, mais c'est génial! Deuxième raid, bam! Et nous avons atteint les 300 vues sur ma chaîne Twitch. Voilà, petite info comme ça, qui veut rien dire. Putain, mais on est tous shiny sur le terrain, je crois, non? Sauf le Azumarill. Bon, évidemment, faudra pas faire de misclick. Faudra bien le capturer. Narmolam. Ok. Ah ben, j'ai bien fait de lancer le stream. Finalement. J'hésitais. Allez hop, Sablerot Shiny. Nigosier. Ah non, mais commencez pas à mourir, hein. J'ai pas envie qu'on perde, hein. Surtout, il a 3 étoiles, attendez. Faut pas déconner, là. Oh, quelle musique épique là! C'est quoi ça, c'est X2? Ah, c'est Dragon Quest ça! Attends, mais c'est du. C'est comment on dirait Final Fantasy la musique là? C'est Dragon Quest? What the fuck? C'est trop bien! Bon, faut choisir l'attaque s'il vous plaît, hein, les copains! Ah, le barpo! Voilà, merci. Aquabrèche, bam! Et là, on le tue, hydrocanon, pouf! Allez, c'est parti, capture! Alors là, pas de misclic, je vous en supplie, Nintendo. L'attraper. Regarde le nombre de Master Ball que j'ai, PA. Boum! 930 Master Ball, vous allez faire quoi? J'ai même 999 Ultra Ball, je crois même. Lune Ball. Ultra Ball. Complètement craqué. Bon, Hyper Ball, ça devrait rentrer. Allez! Je t'en supplie, Sablero, rentre dans cette Hyper Ball. Un, allez, deux, trois, ça va être bon, ça va être bon, bordel de merde. Et voilà! Sablerot Shiny, Ghetto d'Azé. Ah putain, ouais, il est shiny comme ça! Incroyable, il est shiny. Putain, mais il est beau en fait, shiny, je pensais qu'il était vert, mais non. Qu'est-ce qui te dégoûte enfin? C'est un excellent jeu. Ah, Mudja, j'aurais dû essayer. Oh, Métamorph, il peut être shiny ce Métamorph. Ça peut être très intéressant. Ok, on est rentré. Ah, le cheat! Ah, ouais, bon, malheureusement, on n'y peut rien. Hein. Ça, c'est tous mes shiny, ça. Shiny, shiny, shiny. Bon, il y a des shiny, il y a deux shiny qui sont pas legit, c'est alors c'est Mew shiny là, il est pas du tout legit et il est où Ah, Solgaleo là. Pas du tout legit non plus.
J'ai aussi un Celebi Shiny, je crois. Il est pas normal. Ou il est legit, je sais plus. Il est où mon Celebi? Ah, il est là. Non, il est normal. Oh, il est magnifique. Franchement, j'ai tous les Pokéfions de l'histoire. Hein. Regarde ça, ça ne s'arrête jamais. Bon, on va foutre pire au but hein, pour se métamorphe. Oui. Le métamorphe. Bon, je pense pas qu'il va être shiny celui-là. Là, ça serait trop beau, là. Pas shiny. C'est vrai qu'il me faut l'épée rouillée, moi, dans le jeu. J'ai Zacian, mais j'ai pas l'épée rouillée, donc bon, bah, malheureusement, il ne fait pas trop de dégâts. Ah, mais merde, pourquoi j'ai double pied encore? J'avais mis pied voltige à pierre au but, putain. Quel enfer. Bon, en tout cas, j'ai essayé Pikmin 3 Deluxe, la démo. Franchement, bah, c'est canon, hein. On retrouve. On trouve les beaux Pikmin en train de farmer tout le bordel. C'est vraiment stylé. Pourquoi j'ai mis double pied sur pied au but? Putain, il faudrait mettre pied voltige. J'ai mis la rediff sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Ah, bah il n'y a plus de radio. C'est pas grave, je vais le remettre. Ouais, j'ai fait 8 vues sur YouTube là, en le mettant aujourd'hui, avec 4 commentaires. C'est pas une dinguerie, mais bon. Remettons la radio, s'il vous plaît. C'est très agréable la radio. Voilà. Petite radio, s'il vous plaît. Non, pourquoi il veut mettre une pub? Non, alors pas une pub en plein live, ce serait un peu dommage. Voilà. Oh, Sonic. Eh ouais, ballon brûlant sur un type. Ouais, vous êtes pas malins, vous les gars. Et voilà. Y a que moi qui peux dynamaxer, mais je peux pas là. Putain, ils sont chiants. Là. Il y a beaucoup de monde qui stream sur Pokémon en ce moment ou pas? Est-ce qu'on peut voir? Pokémon, regardons. S'il y a du monde. Ah bah c'est trop facile, hein. Madame s'appelle Pokimane, 5 millions de followers. Oh, il y en a, c'est 500 followers, c'est incroyable. En faisant la même chose que moi. Ah ouais, mais même Matt Armand, tu stream aussi, bonhomme. Hein. Exactil, ouais, c'est les mêmes. Hein. Triple chasse, putain, il y en a, c'est des dingues. Triple chasse, ah bah dis donc. Ah, Zacian est revenu parmi nous.
Bon, butez-moi une fois pour toutes, là, s'il vous plaît. Ah, mon Dieu, les animations, qu'est-ce que c'est lent, c'est terrible, putain, qu'est-ce que c'est chiant. C'est pas prévu que Xbox ou Microsoft, enfin, pas Microsoft, mais non, je veux pas l'attraper. Conférence de jeux vidéo, qui est une conférence de jeux vidéo, tout simplement. Je sais pas si c'est prévu, si prévoit quelque chose. Non, l'euphorie dégage. Pachumi, là, je l'ai déjà shiny, ce serait dommage. Rack au feu, je l'ai déjà. C'est qui ça? C'est Mélofée ça, je crois, non? Non, il est pas fait Mélofée. C'est qui ça? Putain, on dirait une musique de Splatoon. Ah bah c'est Splatoon. Mais il a quitté cet enculé, mais ouais, pourquoi il a quitté? Putain, mais je te déteste, mec. Ah là 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 là. Ah ouais, bah je rentre pas, hein. Forcément, quand t'as un fils de pute qui veut quitter. Là, il n'y aura plus rien avant les sorties consoles, d'accord. Donc vraiment, ça va être le néant pendant un moment donné, c'est dommage. Oh, il y avait tellement de hype autour de Nintendo par rapport à leur futur jeu, c'est dommage. C'est de la merde là, les raids. Oh, Florizarre, ouais, mais je l'ai déjà, Shiny. Oh, Barpaume! Non, je l'ai déjà! Moumoufon, allons-y! Sort dans un mois, tout pile. Putain, mettre 500 euros, moi, ça me ferait mal, hein. Mais je vais craquer, hein, c'est bon. À un moment donné, voilà. Hein. Oh, mais 500 euros, mais le montant de ouf! Sachant que je paye quand même un abonnement, deux abonnements internet et un abonnement foot. Non, je suis quand même sur du 130 euros par mois déjà. Donc, c'est pas ouf là. Hein. Franchement. Ouais, mais c'est que du. Moi, je les vends en boîte aussi, les jeux. Pas possible. Moi, j'ai une collection, moi. Faut pas déconner. Hein. Ah, salut, Jenny! Re! Comment ça va? Eh ben, nous avons chopé un shiny pendant ton absence. Enfin, pendant que. Pas pendant ton absence, t'étais pas là. Mais il y a 10 minutes, on a eu un Sablero shiny. Voilà. J'ai fait 23 minutes de stream et nous sommes à. Voilà. À 10 minutes, j'ai eu un Sablero shiny. C'était assez surprenant. Sachant que j'ai chassé pendant des 15 heures, environ 15 heures sur Let's Go Pikachu, Sabolette, et j'ai jamais eu Shiny. Donc voilà, j'ai juste pété un câble, parce que c'est Sablero Shiny qui est arrivé. C'est abusé. Non, non, mais c'est pas possible, hein. C'est une dinguerie, hein, ce qui se passe. Hein. Bon, ce serait bien que le mec lance le raid. Voilà, on va y arriver, hein. Moumouflon. Allons-y. Mais la série S, c'est seulement pour les jeux en. Enfin, c'est seulement en démat, hein, les jeux hein, pour la série S à 300 euros. Oh, moi, je les veux tellement en boîte, les jeux. Ah, ouais, moi, je les veux en boîte, les jeux. Hein. Moumouflon, est-ce que tu es shiny? Il n'est pas shiny.
Oh, le sépia trop shiny là-bas. Incroyable. Il l'a. Mais pourquoi j'ai double pied encore? J'avais mis pied voltige, c'est dingue ça. Pendant que je teste FIFA 21 là sur Switch aussi. Franchement, à voir ce que ça donne. Mais voilà. Quand même envie d'essayer le petit FIFA 21. Hâte de voir Ligue 1 Uber Eats en haut à gauche de l'écran de la télé. Après la Fnac et la Micromania proposent de payer la série sur 2 ans. Ah! Ah bah ça c'est intéressant. C'est très intéressant ça par contre. Par contre c'est quand même 30 euros par mois. Ouf. Quand même. Hein. Mais ouais, niveau budget, tu vois, si je gagnais de l'argent tous les mois, c'est tranquille, hein, mais malheureusement c'est... Juste le juillet et le mois d'août où j'avais un salaire et c'est tout. Il y a tellement de jeux intéressants. C'est quoi le catalogue là en ce moment pour la Xbox Series là, X? Franchement, il est énorme, non? Déjà, tu peux mettre. Oh là là, mais déjà, rien que ça, tu peux mettre les jeux de la Xbox One. Et de 360 dessus. Rien que ça, c'est une dinguerie. On pourra jouer à Kingdomers Ori. Pouah, 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 pouah. Même des jeux qui sont sur PS5, enfin qui. Il y a même des jeux. Enfin. Il y a même des jeux, j'y pense même pas, mais. Mais ça va être trop bien. Ouais, il y a Watch Dogs, ça va être trop bien. Assassin's Creed, apparemment, ce que je vois. Bon, FIFA 21, on s'en bat les couilles hein, sur Xbox, du coup. Minecraft aussi, on s'en bat les couilles. Il y a tellement de jeux que je connais pas que je devrais découvrir en vrai. Ça va être trop bien, ouais. Franchement, j'ai. Ça, 500 euros précommandé. Non, 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 non. Vous allez pas m'avoir, Microsoft. Et je tape jeu, ils ont juste. Allô, à me montrer. Vous n'avez pas d'autres jeux à me présenter? Vous êtes sérieux? Y a quoi comme jeu qui pourrait m'intéresser, franchement? Ah, il y a le fameux Cybertech aussi. La manette, ok, très bien. De nouveaux mondes vous attendent. Franchement. Allô, j'ai vu graphiquement, c'est canon. Oui, excusez-moi, je vais double pied, voilà. Watch Dogs, ça me tente. NPK, je m'en fous. Medium, pourquoi pas. Assassin's Creed, ça c'est sûr, je le prendrai. Dans les 30 euros, tu auras la série X Game Pass. Ah oui, le fameux, le truc 1 euro par mois. Plus l'abonnement internet! C'est craqué. Enfin, c'est craqué, c'est un gros mot, hein, mais. Ah, le fameux Pokémon Donjon Mystère, excusez-moi. Mais. 30 euros par mois, donc tu as le Game Pass. Même, ouais, même si tu allais 1 euro. Enfin, c'est 1 euro normalement, 1 euro par mois, je crois, les jeux, mais. Moi, je veux les avoir en boîte, hein. Franchement. Cybertech 2000, ouais, 2077. Oh, le Poké Camping, casse-toi. Non, je vais pas rentrer, crabe. Okay. Non, 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 c'est pas toi, pas le, toi le fourri. Ah, mais ça veut pas reset. Ouais, mais je vais jamais rentrer dans son putain de. Ah, c'est 15 euros après les mois. Ouais, non, c'est trop. Hein. C'est beaucoup trop.
Niveau budget, c'est beaucoup trop chaud. Bon, y a pas des Pokéfions qui est bien là? Putain, mais ils ont rien! C'est abusé! Ah, Kadabra, je l'ai pas vu, ouais, bon. Mais Cybertech, je connais même pas c'est quoi comme. Ouais, bon, forcément, c'est tout plein. C'est des insectes géants en fait, c'est quoi comme bail? C'est vraiment. C'est un jeu RPG en fait, c'est quoi? Parce que moi, pour vous avouer, j'ai vraiment pas regardé. J'ai vu qu'il y a une grosse hype dessus. Moi, j'étais un peu en mode, bon, voilà quoi. Moi, j'aurais dû aller sur les raids qui s'affichaient. Ah, mais Fenard, je l'ai déjà, les gars. Ah, Bruiverne. Oh putain, alors là, Shiny serait pas mal. Merde, je suis pas rentré. The Witcher dans le. Mais Cyberpunk, c'est quand même. C'est rien à voir de Witcher, quand même, non? Voldragon, qu'est-ce qu'il faudrait mettre là, les gars? Voldragon. Voldragon. Faudrait mettre. Fée. Ouais, ça devrait le faire, lui, Angolia. Ah oui, glace, putain, oui. Putain, j'aurais dû. Ouais, mais j'ai pas de Pokémon niveau 100 avec une attaque glace. Pourquoi j'ai voulu mettre type fée? Parce que ouais, ça n'affecte pas le dragon. Merci, les gars. Mais ouais, type fée. Type glace. Mais j'ai pas de niveau 100 type glace, malheureusement. Shiny! Minutes de live et on a un shiny. C'est quand même déjà très bon comme stat pour l'instant. Faudrait en choper un autre rapidement. Les Cyberpunk, on est d'accord, c'est quand même. C'est des insectes géants là, je suis pas à la rue, hein. On est d'accord. Hein. Parce que j'arrive pas. The Witcher, c'est le jeu un peu comme. Merde, quoi. Skyrim, là, ça ressemble un peu. Et musique de l'horreur. Oh, c'est la musique de Star Fox, putain. Ah, il y a Ori 2, putain, mais moi je le veux en boîte, hein. C'est vraiment trop bien. Hein. Franchement, la PS5, il y a des jeux qui me hype comme FF16. Hein. Putain, sans déconner. Franchement, je joue toutes les consoles du monde. Le craquage, 1000 euros. T'imagines, tu mets ton salaire pour avoir les deux consoles. Plus les jeux. Faudrait au moins te mettre ton salaire. Le mois de novembre. C'est une dinguerie quand même. Ok, il est KO pour l'hiver. Bon, le prochain, il est shiny, les gars. Allez, on se met d'accord. Hein. Tellement de récompenses aussi. J'en ai tellement plein. Peut-être temps que je vende les CT, là. Donc là, il suffit de rejoindre un autre raid quand ça va reset. Voilà. Alors, il me faut un doré, s'il vous plaît. Forcément, ça ne va pas marcher. Ok, il veut pas. Et ça ne veut pas reset parce que c'est de la grosse merde. Ah là là. Il n'y a pas une méthode pour reset plus rapidement les. Parce que là, on peut attendre 2 ans là, c'est pas possible. Là. Allez, s'il te plaît. Mais quel enfer. Gros drive. Y'a rien, hein. Les gens ne jouent pas à Pokémon, c'est quoi le bail, là?
Ça ne veut pas. Bah c'est bien. Normalement c'est censé reset d'un coup là. Oh putain mais casse-couille le... Ah mais... En plus il me fonce vers un sépiatope de merde. Cassez-vous. Ah mais ça reset là. Ah bah voilà. Oh, mais là j'aurais pas le temps de rentrer. Faut prendre un doré là direct. Rhinastock, allez hop. Ou c'est Boham lui, je crois. Ah c'est Boham lui. Oh mais sérieux, je rentre pas. Oh non. Pouah, Pupprigny, vas-y, si tu veux. On a plus que ça. Ah mais ça recommence, putain. Complètement décalé parce que le truc il reset trop mal. Bon, faut faire un raid de notre côté pour l'instant. Alors s'il y a des raids plutôt sympas, faciles à choper. Oh, casse-toi le Vénard, par pitié. Je vous en supplie. Oh non, gros doudou. C'est fini l'événement, gros doudou et rond doudou, là, en shiny facile. Ah, apparemment, ils avaient augmenté tout. Mais est-ce que c'est fini, ça? Je sais même pas si c'est fini. Je peux pas reset, hein, putain. Oh non, pas le Vénard, mais pourquoi lui? Oh, il est partout, lui, sérieux. Fous-moi la paix, le Vénard. C'est bon, hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Putain, mais ça lag même dans le jeu. Dans les terres sauvages, ça lag quand tu es sous, quand tu actives Internet. Putain, c'est dommage. J'aurais kiffé avoir un doudou et un gros doudou shiny. Allez, ça reset. Dracaufeu, je l'ai déjà. Ah, lui, pourquoi pas, dragon normal. Allez, rentre. Putain, il rentre pas parce que j'active les cartes à chaque fois. Mais quel enfer. Eh ben, c'est bien. Absolument rien. Tu vois, c'est galère hein, quand là c'est. On n'est pas réactif, c'est fini. Tu peux attendre 10 minutes là hein, pour rentrer dans l'arène. Animal Crossing. Je sais pas si je fais du FIFA 21 honnêtement. Hein. En vrai, si on est chaud, je démarre le jeu et on fait direct des matchs en ligne. Hein. Ça peut être très intéressant. On va voir si les joueurs sont toujours aussi bons. Franchement. Mais pourquoi c'est des Pokémon 5 étoiles de merde, putain. Ça va prendre 3 ans à les affronter. Ça, c'est des terres sauvages du DLC, bien sûr. Tout à fait. Allez, reset, putain! Voilà, plus. Non, je vais pas rentrer. Crapuscule, je l'ai déjà shiny. Evoli, mot de passe, je peux pas. Allez, à ma flamme noire, allez, on rentre. Là, ça peut être intéressant, FIFA, voir si en ligne les mecs sont chauds. Pourquoi pas? Mais bon, j'ai du mal à y aller depuis que j'ai PES parce que franchement. C'est comme si tu passais quand même à, je sais pas, hein, tu passais de Zelda Link to the Past à... Putain, il a quitté, mais quel fils de pute. Tu passais Link to the Past à Breath of the Wild. Hein. Clairement. Hein. Zéro van. Hein. Et là, c'est clairement ça. Hein. Tu FIFA 21 sur Switch, tu passes à PES, c'est un autre monde. Hein. Un mot de passe. Oh non, pas le fourri, s'il vous plaît. J'en ai assez. Hein. Lance cargo, allez. Ok. Ah, pourquoi pas dans une grosse demi-heure. Hein. FIFA, à voir. Franchement, on prend direct le Barça et on extermine de toute la planète. Hein. Ça peut être intéressant. Alors,
Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait laisser les commentateurs Menez et Hervé Matou parce que ça va me rendre complètement fou. On va désactiver leurs commentaires. On va mettre des commentaires espagnols. Ça peut être drôle, hein? Je sais même pas si on peut faire ça sur Switch. Je dis ça, mais on peut même pas, je pense. Allez, lance cargo! Il est pas shiny. Mais Animal Crossing, moi j'ai complètement détaché du jeu. Hein. C'est fini, j'arriverai plus à le redémarrer. Hein. Franchement, c'est le jeu du dégoût, je suis désolé. Hein. C'est, tu prends 50 ans à crafter une pioche, une pelle. Ah, faut arrêter les conneries maintenant, hein, Nintendo. Hein. C'est fini ça, ou quand tu craftes un truc, t'as 50 000 textes qui s'affichent en mettant attention, crafting en cours, mais. Non mais arrêtez. Hein. Et c'est comme quand t'invites ton pote sur ton île, tu peux rien modifier. Quel est l'intérêt, à part de pêcher des poissons et capturer des insectes et voler les fruits? C'est juste du vol, hein, ce qui se passe. Hein. J'ai trouvé ça juste pourri. C'est dommage que tu ne peux pas construire ton île avec ton pote. Enfin, il y a quelque chose à faire, je suis désolé. C'est vraiment dommage, ça, que dans Animal Crossing, tu peux pas construire ton île avec ton pote. Hein. Obligé de voler. De voler des. Avec la canne à pêche, tu captures les insectes, tu voles les fruits, tu voles tout. Tu voles absolument tout. Ah, on peut Dynamaxer. Bah, je vais vous montrer le Pierrobut Gigamax. Y a du monde qui stream sur FIFA? Si c'est Bruce Granek, bon, si tu veux. Ouais, FIFA 21, ouais. Il y a vraiment des gens qui regardent FIFA 21 en stream. Mais moi, c'est sur Switch, ça va être à vomir. Ça vomir. Ça va être à vomir, hein, sur Switch. Ouais. Voilà mon Pyrobut Gigamax, avec une grosse boule. Bon, c'est clairement un emoji, hein, le truc. Bam! Je suis en train de toujours regarder le catalogue de la Xbox. Non, mais je veux pas sélectionner le vendeur. Je veux le catalogue de jeux, moi. Ils montrent pas le catalogue de jeux? C'est bizarre, ça, quand même. Il doit avoir un catalogue. Ouais, Medium. Putain, mais ça a l'air ouf, ça, par contre. Hein. Donc, ça, c'est Cyberpunk, ça, je crois. Ok. Des milieux de jeux rétro. Oui, ça on a compris, hein, mais ils montrent les détails et tout. Oh là là, c'est un truc de ouf en vrai. Ventilateur silencieux. Ah, bah ça c'est bien. C'est trop bien, ventilateur silencieux. Il y avait besoin quand même. Hein. Petit blind test, c'est quelle musique ça, les copains? Je sais même pas si vous entendez. Ah merde, le combat est fini, excusez-moi. Passons. Je sais pas si vous entendez bien la musique en fond. Oh mais toi tu triches, toi, tu mets la même radio que moi.
Oh, Bekipan, moi je le veux shiny Bekipan, c'est la classe, hein. Je suis désolé, hein. T'as un Bekipan shiny, mon gars, mais tu fous la clim. Hein. Ah ouais, mais... Je tiens à préciser que sa Juni Kane ne joue pas Zelda. Voilà. Bah si, tu mets la radio, tu mets la même radio que moi et tu vois. Parce qu'ils mettent ce que c'est. Par contre, c'est dommage, tu sais, qu'ils mettent pas la prochaine musique de lecture. Hein. C'est dommage. Franchement, il y a... Alors, en effet, il y a tout le... Spécial, ok. Ils mettent pas le prochain. Je joue à Pokémon et à Pokémon aussi. Je fais un peu de Pokémon également. Bon, bah, ça va, alors. C'est... Tu joues à beaucoup de jeux différents. Putain, quel enfer. Mais il faut jouer à Zelda, les gars, c'est... C'est la licence de Nintendo. Oh, le DLC 2, j'ai trop hâte. Le DLC, il est dispo à minuit ou pas? Où il faut attendre dans la journée, parce que moi je suis capable de rester jusque 23h59 hein, et de lancer le jeu et lancer le stream. Ça peut être très intéressant. Ah, il est pas shiny, putain, je suis dégoûté. Oh, mais je rêve d'un Bekipan shiny, les gars. Oh, le Viridian shiny, putain, il est magnifique, rose comme ça. Ah, j'hésite après faire lancer FIFA 21 là sur Switch. En tout cas, si je joue à FIFA 21, c'est vraiment que jouer pour en ligne. Hein. C'est... Les modes carrière et tout, c'est fini. Hein. Moi, j'ai fait le tour. Ouais. Rose, c'est la couleur de quoi, Mag? On se demande, c'est la couleur de qui ça, hein. Salopard. Quel enculé. On va éviter de déraper maintenant. Oh putain, je lui ai fait mal. Je pense qu'on va lancer un dernier raid et puis on va voir. Franchement, ce serait intéressant de voir le niveau de FIFA 21 sur Nintendo Switch en ligne. Déjà, est-ce qu'il y a des joueurs en ligne? Parce que c'est même pas sûr, vu que le jeu se vient de sortir il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent encore FIFA 21 sur Switch? Est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'on peut trouver les chiffres en ce moment des ventes de FIFA 21 sur Nintendo Switch? Ça peut être très intéressant, pardon. Le jeu... Mais de base, il sort quand, les FIFA? Ils sont sortis hier? Ou c'était la semaine dernière, déjà? Je sais même pas. Je suis au courant de rien. Ça se voit que je suis passé, je sais, chez PES. Hein. Plus rien à foutre. C'est sorti hier, d'accord. Mais il y avait déjà des jeux la semaine dernière. Hein. Il y avait des personnes qui l'avaient. Hein. J'avais vu sur Twitter et tout. Des mecs qui l'avaient déjà la semaine dernière, j'en suis certain. Ou c'était en début de semaine alors. Ouais, d'habitude c'est fin septembre, tout à fait. Mais là c'est début octobre. C'est de pire en pire tout de même. Hein. Sachant que les modes carrière. Enfin, les saisons commencent début août, fin juillet. Quand même. Quand même triste de quand même de le sortir si tard que ça. Surtout qu'il y a des fois les équipes ne sont même pas à jour. Hein, pour vous dire que c'est à vomir. Hein. Bon, on va lancer un dernier raid pour espérer qu'il y ait le shiny. Puis nous allons basculer sur FIFA 21 et à revendiquer 3 600 000 de ventes le jour du lancement.
Mais tu vois, mais c'est une dinguerie, hein. C'est quoi ça? Voilà, oh, Florizarre, je peux pas. Ah, Tritox, allons-y. Ouais, mais ils ont vendu combien pour sur Switch? C'est ça qui m'intéresse parce que. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont acheté sur Switch le 21, hein, ça m'étonnerait quand même. Parce que oui, sur PS4 et sur Xbox, je pense que ça y est, il y a toute la planète qui l'ont acheté. Ouais, c'est encore Beaten Worlds, la musique, tout à fait. Non, non, c'est Beaten Worlds. Ah oui, ah, le son, oui, c'est tout à fait ça, tout à fait. Non, mais le mec, il a la même radio que moi en ce moment. C'est pas possible. Putain, mais j'ai 6 spectateurs dans mon live quand j'étais prêt à changer de jeu. Ça se fait un peu pas, les gars. Hein. Léviator Shiny, classique. Il est pas shiny le Tritox, hein, c'est dommage. Ting! Éboulement sur Tritox. Ah oh ouais, c'est. On le dégomme là, le Tritox. Après, il y a plusieurs radios de Nintendo. Hein. Putain, le mec, il est en visionnage depuis quelle heure hein. Il y a même pas d'heure. Que c'est un live YouTube, on devrait savoir quand est-ce qu'il a lancé le live, non? Très intéressant. Non, on l'attrape pas le Tritox, non. Ah, mais les musiques de Nintendo sont trop cool. C'est vrai que la musique est vraiment trop cool. Chassons les amis. Le prochain c'est un shiny si je rentre dans le raid évidemment. Si je rentre pas, bah, c'est la fin. On va annuler l'échange de cartes parce que je sens que ça va être la douille. Bâtard. Change de cartes. Il me faut un doré s'il vous plaît le jeu. Sinon, ça ne marche pas la méthode. Oh, non. Flambizarre, je l'ai déjà shiny. Krabos, je l'ai déjà. Mistibule. Ah, je l'ai pas, Mistibule. Ouais, on va tenter Mistibule. Ah, si fait. Est-ce que le fait résiste au feu, les gars? Il n'y a pas un délire comme ça, le fait résiste au feu et au combat? Ah non, faiblesse sur les feux. Ouais, bah le gars il met Draco feu, donc je pense que je suis bon avec Pirouette là. C'est bon, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. J'avais un doute, mais fait résiste à quoi? Il est donc le dragon. Est-ce qu'il résiste aux fées déjà? Je pense que oui. Et il résiste au combat. Il doit résister à un autre type, non? Non? Il résiste pas au combat, le fait? Ah non, c'est peut-être la faiblesse de fée, je dis des conneries. Oh, oui, enfin, le combat... Enfin, ils ont faiblesse à fée, non? Ah, le fait contre le fait, ça fait des dégâts normaux. D'accord. Ok. C'est ça la question, je ne savais pas trop. Mais du coup, quelles sont les résistances du type feu? C'est bien fée, dragon, combat. C'est les trois là. Non, pas fée. Oh là là, mais je dis. On va y arriver. Il résiste au dragon, au combat et à quoi alors? Il doit résister à un autre truc. Il y a quoi qui est faiblesse à fée? Dragon. Combat. Et ténèbres, d'accord, merci beaucoup. C'était ça ma question, du coup. Je ne savais plus. Il y a l'insecte aussi?
Ah, je savais pas du tout l'insecte par contre. Là, je viens d'apprendre un truc. Putain, le mistibule là, moche. Bon, et eh ben nous allons terminer sur cette défaite. Enfin, sur défaite, ça va. En 55 minutes, nous avons eu un shiny et nous avons eu Sablero shiny. Voilà. Et la radio, comme ça. Calme-toi, la radio. Ça va bien se passer si tu te mets en. Si on baissait juste la qualité, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Bon. Oui, attaque. Oui, attaque, attaque, attaque. Donc, bon, bah, moi je vais relancer le stream. Enfin, je vais cut le stream pour couper en deux. Parce que je vais mettre FIFA 21. J'espère que la mise à jour n'est pas trop longue. Trac au feu Gigamax Shiny. Oh, ça, c'est la classe. Hein. On va essayer de gagner tous les matchs en ligne sans défaite. Bon, malheureusement, ça fait longtemps que j'ai pas joué en ligne sur Switch. J'ai peur que ça soit compliqué. Évidemment, nous allons prendre le Barça pour casser des culs. On va aller au charbon, les gars. Est-ce que vous y croyez, ça? Qu'on va être invaincu sur Nintendo Switch en ligne? Invaincu jusqu'en première division. Impossible. Ah, remarque, si je suis invaincu, je peux être dans les top joueurs. Ça peut être cool. Hein. On est bientôt à 1 heure de Pokéfion. Je pense qu'il est temps de cut. S'il vous plaît, Mistibule, meurt. C'est pour le bien du stream. Hein. Ah mais je suis mort moi! J'ai même pas vu. Encouragez vos alliés. C'est quoi ça? Ah! Encore une musique. Quelle est la musique, la PA? Sans tricher, hein! Évidemment, on triche pas, hein! Là, il est en train de regarder, là, il triche. On laisse le temps. Bah ouais, toujours, t'as eu le temps de regarder, cette tricheur. Voilà. On ne capture pas cette saloperie de Mistibule. C'est pas Pokémon. C'est bien, c'est pas Pokémon, tout à fait. Tu as raison, tu as raison. Bon, nous allons sauvegarder. Parce qu'évidemment. Je veux pas perdre mon sable roux. Tu me dégoûtes. Mais non! Bon, je vois. Ah non, ça va quand même. Regarde le petit sable roux shiny que j'ai capturé. Il a baigne sable. Résumé du Pokéfion. Voilà. T'as vu ça? Une saloperie. Niveau 35, hein. C'est vraiment de la grosse merde. Il est rigide. Et ses stats? Attends. Mais non, je veux pas le marquer. Comment on voit déjà? Ouais, c'est vraiment de la grosse merde. C'est de la grosse merde. C'est bien comme nature rigide, je sais pas pour Sablero. Honnêtement, je sais pas du tout. L'attaque spéciale, c'est pas top. Le reste, c'est exceptionnel. Bon, après, dans le jeu, on peut changer. Hein, donc, au pire, on s'en bat les couilles. Donc, voilà. Ah non, mais moi j'adore mon petit Zoruya Shiny que j'ai capturé. Hein. Mais regarde comment il est beau le Zoruya Shiny, mais regarde ça! Le Tranchandon Shiny, le Drail Shiny, Pyrax Shiny. Oh là là, mais regarde ça! Il a les meilleurs IV ton Sablero. Ah bon? Ah bah je ne savais même pas. Bon. Voilà. J'ai sauvegardé, donc ça devrait être good. Ah, le cadeau mystère! Bon, avant les gars! Vite, c'est quoi le cadeau là? Vous vous foutez de moi? C'est quoi le code?
Mais c'est quoi le code avec le Pikachu casquette? C'est quoi le code? Eternia, dites-moi. Mais si, il y a Pikachu casquette. Ah oh, mais pas suivi, oh là là, le mec il connaît que Pokémon, il suit même pas. Oh mais ils ont un site et tout, Eternia, c'est tellement stylé. Mais si, il y a le Pikachu casquette, putain, c'est quoi les mots de passe? Je sais plus. En plus, ils sont... Ah, merci. Mais il y en a plusieurs, hein. Il y en a un autre. Ça, c'est le Pikachu de Sinnoh, ça. C'est cas. Le E. P1 et K. J'ai pas oublié des lettres là, si. J'ai oublié des lettres, non. J'ai pas oublié des lettres. Non, ça doit être bon. Il y en a un autre, hein, non? Pikachu casquette Sinnoh. Ah oh là là, regardez ça, c'est tellement la classe. Il y a un autre là, il faut l'autre. Ah merci. Oh là, il est au taquet, Salim. Merci beaucoup. Voici le Pikachu Sinnoh. Donc on peut pas les faire évoluer, les Pikachu là. Ça c'est pour Owen, merci beaucoup. Donc les autres ne sont pas disponibles. Hein. On est d'accord. Hein. Pikadvance. Ah mais c'est excellent. C'est le nom de la série de Owen ça. Putain mais c'est... Oh putain. Putain, la ref, elle est énorme. Il n'y a pas eu pour Johto et Kanto, là? Et voilà le petit cadeau. Donc, évidemment, le Pikachu est emballé dans un cadeau. Putain, mais j'ai l'impression d'avoir deux fois le même. Ah, ce sera plus tard. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous allons les ranger dans la boîte du PC correctement. Parce que là, ils sont rangés dans les shiny. Et évidemment, ils ne sont pas shiny. Ah non, merde, ils sont où? Ils sont où? Faut les récupérer dans le centre Pokémon? Ils sont où? New Super Mario Bros. Bon, je pense pas que c'était compliqué celui-là. Mais ils sont où? Non, c'est le premier sur DS. Je ne trouve... Ah, le Pikachu, il est là! Oh putain, ils ont mis la casquette, là! Putain, trop stylé! Ah, mais c'est le swag! Bon, par contre, on s'en passe, hein, des IV, hein. Ah, merci, merci, c'est Jenny. On va tester. Attends, on va. Juste, on va le ranger. Boîte 20, voilà. On va appeler ça. Non. Mais non, mais n'importe quoi. On va l'appeler Pikacast. Voilà, je sais pas pourquoi. Vous l'appelez comme ça, mais... Non, regardez, on va faire un truc mieux. Pika, comme ça, hein, comme ça. Pika, qu'est-ce que... Voilà. Je sais pas pourquoi. Comme ça, hein. Rien à voir, mais... On met quoi comme thème? Un thème un peu what the fuck. Voilà, des éclairs, c'est très bien. Voilà. Il est où l'autre? Il est là. C'est le même. Ah non, c'est bleu et vert. Bon, bah très bien. Pourquoi pas. Mot de passe.
Et non, ça marche! C'est un génie! Donc ça doit être Kanto et Johto, ça. Peut-être. Merci. Ça, c'est la casquette de quoi, ça? C'est Kanto, ça? Ah oui, c'est Ah bah oui, Choose, c'est la série de jeux, c'est le film Pokémon Je te choisis. Évidemment. Ça paraît logique. Réfléchissons deux minutes. Ouais, c'est Kanto, mais ouais, c'est ça, c'est Je te choisis, c'est le... Par rapport au film Pokémon. Tu sais, le dernier avec O, là, le 20e. Alors là, si vous trouvez le nom de la musique, les gars, vous êtes forts. Hein. Pikachu Gate. Qu'est-ce que c'est que ça? Gate. Salut PKPK. Excuse-moi, j'ai bégayé sur ton nom. Pikachu casquette originale. Bah c'est quoi alors ça alors? Ah bah ça c'est Johto du coup, non? Bon, la musique, ouais, du coup, c'est Mario UG Dream Team. Voilà. Ça, c'est Kanto. Ah. Ah bon, vous avouez, je ne sais pas. Oh putain, à chaque fois, ils mettent à l'autre bout du... Ah, mais j'ai laissé la boîte là, c'est fait exprès. Faut les mettre dans l'ordre. Ça, c'est ON. Ça c'est Kanto, voilà, hop, on va faire un truc comme ça. Et non mais prends-le. Il est où l'autre? Il est là, voilà. C'est Kanto et Johto, voilà, tout à fait. Voilà. Donc on a les 4 là. Bon clairement, ils servent à rien, hein. Ah, merci pour ton abonnement, PKPEC, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça va, on va très bien, on va très bien. On chasse des shiny, écoutez. J'allais basculer sur FIFA, mais bon. Je vois un chat un peu actif, donc bon, continuons. C'est rien que ça reset ce bordel de merde de... Non mais il faut des... Putain mais Raichu je l'ai déjà. Non mais ça c'est de la merde. Givrelli je peux pas... Karatrok. Allez, on va essayer Karatrok. Donc Karatrok, il faut quoi comme type pour que ça soit super... pour que ça soit x4 au moins. Oh ça marche pas je crois. Glace. Mais j'ai pas de Pokémon niveau 100 glace. Ah mais il a quitté. Il a quitté je crois. Ouais, il a quitté. Putain mais c'est un gosse. Acier. Ah. Bah bon bah tu vois finalement. Tu peux pas. Ouais, x4 on peut pas. Hein. Putain. Ah mais je suis deg. On l'avait là. Et bah tant pis. C'est de la grosse merde parce que le gars il a quitté. Pourquoi ils mettent des mots de passe? Ça c'est forcément... Marais, ça peut être intéressant. Pourquoi ils mettent des mots de passe? C'est parce que c'est forcément Shiny qui font ça? C'est pas possible. À quel moment tu mets un mot de passe pour un Lefoury? C'est un enfer. Bon ça c'est type plante, hein. Faut pas être... voilà. Prêt. Marais. Shiny, il est rose ou vert déjà? Et quelle couleur ce Marest Shiny? Putain, pourquoi dans ma tête je l'ai vert et rose? Rose, d'accord. Il est rose. Merci beaucoup, les copains. Est-ce que vous arriverez à trouver cette musique? Impossible. Personne ne trouvera. Sauf si vous trichez. Oh, il est bleu dégueulasse.
Regardez sa tête. Ting, Dratatin Shiny. Ouais, mais la musique, c'est de la grosse merde. C'est du. Je vais te le dire ce que c'est. C'est musique TD Kong Racing DS. C'est le Mario Kart DS, mais c'est le TD Kong DS, si tu veux. Et crapuscule. Mais oui, il a une tête de teubé, ce Marest. Mais vraiment, hein, regardez-le. J'ai un peu la même tête hein, quand la prof elle voit que j'ai pas fait mes devoirs. Hein. Pour être honnête. Lance-soleil. Oh, il évite l'attaque. Ah là là. Ça y est. C'est vraiment dommage qu'on peut vraiment pas passer les animations en ligne. Qu'est-ce qu'on gagnerait un temps fou? On gagnerait vraiment un temps fou dans la vie. Mûrissement, allez hop. Il est intuable mon Dratatin, intuable. Entre son truc, l'objet que je lui tiens. Oh là là. Quel DG mon Dratatin shiny. Stomax. Ah bah cette musique là vous devez la trouver les gars, hein. Faut pas déconner à un moment donné. Hein. Ah je savais pas par contre c'était ok. Ah oh, cette musique elle est tellement tellement bien. Non, ce n'est pas Zelda Breath of the Wild. Enfin, c'est Zelda, mais ce n'est pas Breath of the Wild. Ah non, non, c'est pas Breath of the Wild. Pas du tout. Brutapod, je l'ai déjà. Shiny, donc c'est pas la peine que j'y aille. Si c'est pour l'avoir en double, pas la peine. Je connais, t'inquiète. Putain. Mais ça veut pas reset ce bordel? Non? Je te promets, c'est pas Breath of the Wild. C'est écrit. T'as fumé. Non. C'est un autre Zelda. Attends, peut-être c'est décalé, attends. Ah, attends, sûr, à 100%. Non, non. C'est un autre Zelda. Bah, je te promets, c'est écrit. Putain, Cisaiox. Mais non. Je vais jamais rentrer. Bah, moi, ça m'affiche que c'est pas Zelda Breath of the Wild, non. Est-ce que je rentre? C'était Zelda Majora Mask. Voilà. Donc, deuxième blind test. Quelle est cette musique? Ah bah c'est une musique du moment, donc là vous pouvez pas... Insectes et vol les gars, c'est quoi le type x4? Mais quoi, c'est faux? Bah après, moi, je fais que répéter ce qui est écrit. Moi, je fais que répéter. C'est écrit Majora's Mask Zelda. Voilà. Oui, excusez-moi, je vais mettre un petit proche. Merci beaucoup. Non, c'est pas Genshin Impact, la musique. Non, là, les musiques que vous entendiez, c'est seulement les musiques de Nintendo. Enfin, Nintendo. Les jeux qui sont sortis sur Switch, DS, Wii U et tout ça. On va mettre... attendez, on va mettre qui? Ouais, on va mettre Torgamore Shiny, il est stylé. Ça peut être... Ouais, ça peut être plutôt fun que je mette toutes les musiques qui est possible. Après, c'est possible que je me fasse strike, hein, si je mets des musiques genre... des musiques d'Xbox, je crois que ça peut me... Ça peut me coûter le compte.
Oh, il est pas shiny. Ouais, non, mais possible, je te crois. Mais moi, ça me mettait le Majora Mask. Donc bon, bizarre. Il est pas shiny, évidemment, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Bon, cette musique-là, c'est le fameux origami Paper Mario. Voilà. Ah, changement de musique, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Je connais même pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah bah celui qu'il trouve là, je sais pas, je lui donne un truc. Bah Origami Mario, c'est le jeu qui est sorti dernièrement, non? Au mois de juin, c'est pas celui-là? Moi non, je vais trouver. Ah! Alors, ça s'appelle Super Monkey Ball. Voilà. Ah oui, voilà, c'est le jeu du moment. On est d'accord. Il faut juste le nom. Quel crack. On l'attrape pas, la secrétaire. Là, on est. Je suis concentré sur le spam. Mais allez, pourquoi ça veut pas reset? Ça, c'est un enfer, ça. Je comprends pas pourquoi ça reset pas correctement. Ah, mais bordel! Mais reset! Voilà! Nymphaline, non? Béguépé, on va trop tard. Non, ça va être trop juste. Autour. Oh Sharpedo! Oh Sharpedo, s'il est pas shiny lui! Oh, oh, c'est vraiment une musique de merde, hein. Je suis désolé. Hein. Quelqu'un connaît cette licence? Super Monkey Ball? Honnêtement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils font un type O et tous les mois. Il n'y a pas de, il y a pas x4. Hein. La capture galère. La capture galère. Comment ça, la capture galère? Ouais, mais est-ce que ça va pas recommencer là? Parce que ça fait en même temps 1h20 que je suis en live. Hein. Non, non, ça va pas être résolu. Je pense pas. On va mettre Dratatin pour Sharpedo, je pense. Non, mais j'ai peur que ça recommence. Ça fait des flashs et fou. Oh, putain, c'est quoi ce bordel? Bah, ça risque de recommencer là. Hein. Quand on va. Je regarde hein, sur mon rendu. Enfin, ça switch là. Fait peur. Ah, sinon, je cote le live et je le remets. Hein. Il n'y a pas de problème. Il est pas shiny, évidemment. Ce charpédo de merde. Ah oui, là c'est magnifique, hein! Bon, c'est de la qualité, hein, les gars, faut pas. Oh putain! Oh, c'est court! Bon, on va cut, je vais remettre, hein, y a pas de souci. On va cut. Hein. Flou sur 20, on va cut. Je reviens tout de suite!